Ancien première dame République d'Haïti, Martine Moïse, salue dévouement et courage Mounouanamet sous dossier canal cap construit sous rivière Massacre. Ancien premier ministre par intérim Dominique commet diverses actions malhonnêtes pour déstabiliser la production nationale pays d'Haïti d'après révélation dirigeant cette Calvec là, Gardi Maisonneuve. Défense Edouard Mouna parle de certains acteurs politiques et religieux yon utilisé et puis bayon gros l'argent pour capable faire travail si là. Condition transport maritime ka fait dans zone royale commune Cabaret bay un pile ka sauté à cause bandi qui occupé route nationale numéro 1 depuis sous matla rivegis Canaran. Devant gros danger si là, autorité nan commune pas jam di yon mot. Parti fusion social démocrate haïtien travers coordination Delma prêcher la paix à l'union dans mitan tout secteur dans la vie nationale dans occasion journée internationale la paix qui célébrée hier 21 septembre 2023. Richardson jeune qui prend la parole nan non parti a souhaité acte politique yo mette poyo nan balansan pour capable résoudre différents problèmes pays d'Haïti a fait face tant kou instabilité insécurité banditis pour citer ça yo seulement. Directeur départemental NOP ministère santé publique là docteur Ernst Robert Jasmin exprimé satisfaction pour réalisation forum départemental pour amélioration qualité soins dans département Nord. Représentant plusieurs centres de santé était présent pour brasser l'idée, mesdames et messieurs, dans l'occasion si là. Information internationale yo a mené nous en Afrique, Arabie Saoudite, l'Iran ensemble avec la France. Mesdames et messieurs, Paul Kagame, président Rwanda, a décidé poser candidat pour briguer yo quatrième mandat. Sa peuple Rwanda lui-même li pawe ensemble avec yo manger si tout opposition politique là. Pape François décide de visiter ville Marseille. Mesdames et messieurs, qui enjeu qui gagne dans ça? Nous prenons le temps de un reportage tant le comme ça. Arabie Saoudite et Iran font leur rapprochement côté normalement devant président américain. Ils promettent, ils gagnent pour capable avancer ensemble. Par bon côté parle, chef diplomatie française là. Catherine Colonna, qui est ministre Affaires étrangères, pays la France, dans la tribune ONI, mesdames et messieurs, arrivé, déclaré correctement, yo vle essayer comprendre l'Afrique après diverses émeutes qui t'a gagné dans le jour qui saute. Passé au là. C'est toute information ça yo avec diverses lotes qui pral fait essentiel. Journal Sankapé sous Haïti Info, journée jeudi 22 septembre. 2023. Bonjour tout le monde. Bienvenue. C'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caillou ensemble avec rubrique information ça. Et comme toujours, avant nous aller plus loin d'apprendre, pour nous capables de dire merci ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage vidéo. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invité yon moun entourage ou abonné pour capable rester connecté avec bon information. Sans nous pas tarder, n'a lancé directement ensemble avec développement titio. Ancienne première dame République d'Haïti, Martine Moïse, compte pour façon moun Wanamet Kope Fem dans dossier canal irrigation rivière Massacre, côté salue courage chaque paysan dans Wanamet qui campé pour accompagner eh bien moun sa yo qui besoin opportunité pour yo capable irriguer la terre et divers autres moun qui sorti dans quatre coins pays d'Haïti pour capable vin saluer travail si la déclaration Martine Moïse ancienne première dame de la République. Par bon côté parle, ancien premier ministre pays d'Haïti et ministre Affaires étrangères, Claude Joseph, pas mette de l'eau dans la bouche li pour lui capable de dénoncer comportement nocif, PM Ariel Henry face à la situation pays d'Haïti a fait face ensemble avec lui. Mesdames et messieurs, entendez déclaration Claude Joseph. Bon, et pas oublier que moi-même personnellement, comme ministre des Affaires étrangères et ancien premier ministre, moi, t'ai mobilisé tout ça nous gagne comme ressources pour nous faire travailler là, avancer sous rivière Massacre. Et moi, pas entrer dans une dynamique confrontation avec la République dominicaine. Et c'est ça que fait même le 5 mai,
moi t'ai écrit une lettre pour me dire on a continuer travail là parce que nous en droit nous traité de PA ban nous droit pour ça et le 27 mai nous signons une déclaration conjointe ensemble avec yo côté yo reconnaître même gens avec nous nous doué fait travail là donc moi pense que nous utiliser la voie diplomatique et jodi a gon recul sous travail que nous fait yo et ministère agriculture écrit et Abinadel pour dire que faut yo même fait tout gens pour nous camper site là donc site là pas camper et population dans wana maintenant population dans ferrier population dans nord-est là yo prend destin yo en main jodi Mesdames et messieurs, déclaration PM Claude Joseph, eh bien, sous dossier canal Wanametlan qui a construit dans moment là, yon dossier qui quitte un pile moun perplexe, dossier si là, eh bien, côté yon paquet haïtien décidé, yon pape kapé travail à lui-même, li genye pour li capable continuer de façon qui correct et normal. N'a avancé, mesdames et messieurs, ensemble avec information nou yo, qui pap kapé, pa boy site, c'est journal sans kapé, qui rentre la caillou et non pas m'pablié, c'est Fabiola Jean-Charles qui l'a pour capable présenter nous édition si là pour deuxième sortie li. Nous gagnons, mesdames et messieurs, et Maître Gardi Maisonneuve, dirigeant organisation Douamoun Sotkal Levecla, Maître Gardi Maisonneuve, révélé diverses actions malhonnêtes dominicains utilisées pour déstabiliser, mesdames et messieurs, production nationale pays d'Haïti. Li parlait de certains actes politiques et religieux. Yo bay gwo l'ajan, y'a voyé. En fait, pour capable de faire travail ça. D'après Maître Maisonneuve, Dominicain yo pas consommé produit à voyer ba nous, alors que yo vin ramasser tout produit par nous yo pour yo capable consommer. Défenseur droit mounan qui menace cité non personnalité ça yo, dénoncer pression gouvernement dominicain lui-même la baille pour empêcher canal cap construit sous rivière massacre continuer. Nous gagnons Maître Gardi Maisonneuve qui était nan micro nous mesdames et messieurs que nous pral tande déclaration nan yon titan qui pas trop long yon situation qui assez compliquée en da pays d'Haïti sous ça qui gen awe à construction canal là côté pour une fois peuple haïtien décider lever campé pour peut-être pas yo pa gen campé nan dossier si là Dominicain pas manger en pile produit que vous voyez ban nou yo par exemple chou carotte parce que pas nous au bio puis par ailleurs vous faites avec un pile produit chimique. Vous venez prendre ça nous fait dans zone forêt des pins, fond verrette et l'autre bagaille. Vous fait deux bagailles, vous volez bœuf ici à la République dominicaine, vous volez bœuf en République dominicaine, vous portez ici. Là vous pas qu'à faire ça, vous venez à zam, vous bail paysan pour paysan bail chou. L'autre bagaille moi t'ai dit dans l'autre rapport que la République dominicaine mettait des agents haïtiens ramasser moun ici pour te négocier avec eux pour déstabiliser pays a pour qu'a gagne contrôle commerce ça veut dire pour pas gagne en pile moun un jour m'a fait un rapport pour me dire qui non calé parce que me connais pile non politicien qui allait rencontrer de moun en République dominicaine yo joine des leaders religieux qui parti tout calé gagne un leader calé te offre $20 million plus l'autre corps pour faire l'église pour lui pour déstabiliser et ça c'était gouvernement Jovenel. Nous te font l'autre rapport encore. Nous disons dans toute ligne frontalière yo gen zam kap distribuer kap bay. L'autre yo jeune zam yo sous la main, nous même dans zone et la plaine du cul de sac, yo jeune zam nan la frontière là. Et yo pas jamais dire rien, mais moi le ta rele, yo ta arrêté, yo ta mande me côté me jeune information ou même ta bay jusqu'à ce que yo kembe dernièrement, yo colonel dominicain dans trafic ça. Est-ce qu'on t'en dit parler en pile? Yo pa palan. Nous dit nous toute la tête jeune garçon. L'on va ka bataille ou nèg pa bal pression. La pompouze ou. Sa République Dominicaine a fait la pression la bay. Parce qu'elle connaît le pa ka faire massacre sou moun yo. La frontière la ka fait canal ka pon prise de loi et pas détourner a détourner de loi. Moi même ka parler, je parle en connaissance de cause parce que j'ai passé près de 2 ans, 3 ans
en République Dominicaine d'avoir étudié là. D'ailleurs, là, m'étudier philosophie. De là, Los Rios Las Colinas. Et là, m'étudier philosophie avec les Redemptoristes Mater. C'est quand même là, m'dé. Donc, pour qu'on Dominicain. Puisque Dominicain, on analyse là, fait le mal, réponse toujours, ça la baille comme réponse toujours mal. Mal abordé. Qui problème nous abordé? C'est nous, Haïtiens, manger. Comment Haïtiens manger? Haïtiens viennent acheter manger dans mon. Ils ont décidé d'acheter dans mon aujourd'hui. Ils ne pas acheter dans mon, là, acheter dans mon l'autre côté. Voilà, mesdames et messieurs, déclaration Maître Gardi Maisonneuve. Sous ça qui a passé actuellement là, côté li déclaré, mesdames et messieurs, des divers Haïtiens qui négociaient ensemble avec Dominicains sous dossier si là. N'a continué, dirigeant Saint-Cal Levesque là, Gardi Maisonneuve. Fait qu'on est autorité dominicaine, fait un mauvais calcul. Léo choisit fermer frontières avec Haïti. Yon décision qui a gagné gros conséquences sous l'économie, yon, d'après Maître Maisonneuve qui dit, y a gain pour payer fréquence si là. Il a fait une mise en garde, bah, quel que soit pays qui a gagné intention encourager, président Abinader vient faire massacre sous population haïtienne. Maître Gardi Maisonneuve, mesdames et messieurs, tenant micro, TAC 609, que nous prenons le temps de Kounia là. Fermer frontières plus bon pour nous que pour vous. Fermer frontières pour vous le plus mal. Donc, je pense que c'est un mauvais calcul qu'ils ont fait de fermer frontières. Et il a payé là, c'est tête qui chaud. Et puis, il y a un proverbe qui dit partout, le client. Et wa, l'aime gen koblan men m'ap acheté ou capable vendre moi mal acheté l'autre côté. Mais l'or gen pour vendre c'est moun wap tan. Ou a dégager ou a konn akè swa vendre, c'est pas nous qui pi pour la là qu'on acheté dans mon. Donc fermer frontière, yo pa pou ko fermer le lieu de monter bloc la toute frontière yo pour nous pour qui est la pi mal. En Haïti, l'or gen deux groupes k'ap travaille et ou censé ap travaille pour l'état, l'état pa ramasser travail ko wap fè. Parce que l'état pa gen des moun intelligent qui pour comprendre que leur bail information pour ramasser pour analyser pour aurait l'eau pour venir demander explication. Saint-Cal l'évêque sorti en pile rapport sous frontière. Un rapport, premier rapport que nous sorti, nous dit nous ouais trop cap fait pour manger pour examen. Yo te pensé que depuis au fermer frontière, il s'est pral mourir grand goût tandis que là Jérémy, là au Caïd, là la Tibonie, tout côté manger pourri, c'est rentré le pas rentrer. C'est rentré le pas rentrer. C'est mauvais calcul. République Dominicaine, ou pour qu'on ferme les frontières, faut monter bloc, faut faire l'autre bagaille pour nous être à l'aise. L'autre pression, yo bay, c'est penser que yo ka font massacre sur moun yo. Pression, y a faut payer net. N'importe gouvernement étranger qui t'a encouragé à Abinader fèl, l'a servi à Abinader pour demander à Abinader sale pas gagner. Après on pourra juger le même genre avec Saddam Hussein parce que monsieur font zak son population pas gagne zam nan men qui a prend une prise dans l'eau qu'elle gagne. Un bay un blague. Si vous n'avez pas de population prend la prise de l'eau, vous avez fait mettre l'eau à la caou, l'elle pour le déborder, vous avez quitté l'envahir ou seulement. Yeah. Mais là, il y a une inondation, l'envahir nous voit ici, l'envahir ou bon, et puis il y a ce sel pour jouer. Donc, ils ne sont pas intelligents. Haïtiens, Haïti, faut la République Dominicaine, sous toute zone, nous avons fait l'hôpital pour aider Haïtiens à vivre plus longtemps, pour gagner un bon client qui vient acheter la main chaque jour. Traiter Haïtiens au bien, tant que des princes. Pour yon toujours gen en vie vin la kaou. Mais je vais traiter yon là, faut que nous jouons, faut que nous révoltions. Pour dire, n'a pas pris de l'eau par nous pour nous faire jardin nous, pour ne pas traverser la kaou encore. Moi-même, ça nous t'a demandé, notamment des populations dominicaines, la population haïtienne font seul. Parce que ces deux gouvernements tchoul restent avec qui gen. Abinader son tchoul sont restés avec. Li gen kob, mais ils sont ou moun qui pa gen cerveau. C'est ça que fait le mettre population dans sa lia là. Quand il y a ça à penser faire, manger haïtien de qu'on achète yo, quand il y a pas la chercher yo dans mes paysans yo. Avec qui non, yo gen comme pour acheter, mais combien temps au café à acheter. Et l'autre bagaille, pas gen rentrer sorti ya qui pour permettre que moun yo dégager yo. Dominicain remé ou haïtien qui vient travailler pour lui devant porte la caille, il pas gen ça encore. Quand il y a haïtien à dégager pour le grand monde la caille, donc nous bat bravo pour moun Wanamet. Mais mouvement ça passe à Wanamet, c'est tout pays qui a metté ensemble. C'est tout pays a qui pote collé. Moi, dame qui se dit Jérémy, qui atterrit l'autre bois. Voilà, mesdames et messieurs, déclaration Maître. Voilà, mesdames et messieurs, déclaration Maître Gardi Maisonneuve sous dossier canal irrigation qui a construit sous rivière
massacre la information au pape Kopé a continué. Professeur Pierre-Louis Bertoni, qui a réagi sous travail construction canal sous rivière massacre, fait qu'on est République Dominicaine, pas qu'à empêcher peuple haïtien prendre une prise sous rivière massacre parce que Haïti a droit sous les tout. Professeur Pierre-Louis, tout profiter, dénoncer situation difficile, le peuple haïtien à vivre en République Dominicaine qui révoltante en pile. Mesdames et messieurs, nous avons sorti Miragouane pour nous aller à Kaye, ensemble avec Pascal Fleuristil, condition transport maritime qu'a fait dans zone royale commune Cabaret, by un pile qui est sauté à cause bandit qui occupait route nationale numéro 1 depuis sous ce matin, rivé jous Canaran. Devant gros danger ça, autorité dans la commune, pas jamais dit un mot. Napte de Pascal Fleuristil depuis arrondissement Arcaye, mesdames et messieurs, sous dossier Silla qui est vraiment important. Malgré trêve bandi au bail pour faciliter reprise transport public là sur route nationale numéro 1, en pile moun ka vive dans la commune Cabaret toujours vle éviter faire route là. C'est comme ça, même gens ak moun Arcaye te kon fait là. Cabaret yo vin développer trafic maritime nan tout. C'est dans condition dangereux. Moun sa yo a voyager sous tikanot a voile en pile nan yo pa gen moté. Yon manière pour éviter traverser l'enfer Canaran côté Sénégal exam fon fois qui occupé route ça depuis sous mat la rivé jusqu'à rentrer route Canaran. Devant situation malouk sa, autorité ou nan commune Cabaret pa jam di un mot sous condition déplorable moun yo a voyager sous la mer. Parallèlement, en plus chauffeur qui fait route là a plein à cause bandi yo imposé yon frais sur autant de fois yo passé sur route là pendant journée. Chauffeur sa yo ki kwè c'est risqué y a risqué vie yo parce que pa gen présence la police nan route là, mais yo kwè tout c'est seul moyen pour yo prendre soin tête yo ak famille yo. Depuis 7 octobre 2022, Sénégal exam kap fait la loi sur route nationale numéro 1 nan niveau Canaran qui trouvé nan nord capitale pays ya. Depuis arrondissement Arcaye, Pascal Fleuristil, taxe. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Pascal Fleuristil depuis Arcaye qui t'a banné plus de détails sous genre situation lui-même l'a développé ensemble avec secteur maritime nan côté moun yo vraiment dans une situation qui compliquée pour être capable continuer voyager. Gagné porte-parole coordination Delma Parti Fusion Sociodémocrate Haïtien Richardson Jeune, mesdames et messieurs, qui prêchait la paix ak union nan mitan tout secteur dans la vie nationale nan occasion journée internationale la paix qui célébrait chaque 21 septembre. Dirigeant politique a fait connaître problèmes sociopolitiques, instabilité, insécurité et banditisme qui gen an da peyi a, gen grave conséquences sous population qui oblige quitter kayo al réfugié yon l'autre côté. Li souhaite acte politique yon mette poids yon nan balance pour rétablir la paix an da peyi a. Guichard Doré, ancien conseiller président Jovenel Moïse, exprimé la sous-situation Wana Metlan, côté li fait qu'on est peuple haïtien, a gagné bataille si là, mesdames et messieurs. Nous prenons le temps de déclaration Guichard Doré. Qui ça nous s'est réagi comme ça? Nous s'est réagi comme ça, c'est pas parce que c'est ce canal là. Nous s'est résolu un problème de sécurité nationale là, c'est très important. Parce que et Assad moi t'ai fait presque 2 mois sous frontière là m'd'a regardé etc. Là regarder pile manger qu'a sorti sous frontière là c'est comme si autrefois l'autre était dans Tibonite toujours un paquet de machine qui t'a sorti pour son dé qu'a sorti les sacs qui chargé coup de leg bas qu'a porter manger pour tout presse la brute en bas c'est qu'on s'allier oui je dis elle dit que plein côté monsieur gain la région de Siba en République Dominicaine c'est comme ça allier représenter la plaine de la Tibonite et les plaines de la Grand'Anse c'est tout réuni pour fournir manger à Haïti c'est ça dit je dis donc monsieur pense que si canal ça a fait donc probablement là tout nous on prend de ralliement national haïtien yo même yo ka faire irrigation dans tout l'autre pays mais ton système d'irrigation pour pays donc du coup le projet des dominicains nourrit 20 millions de personnes sur l'île li beaucoup ah oui parce que son projet depuis 2010 yo bon plan la caillou c'est nourrir bon je dis 22 millions de monde puisque nous gain 11 millions mais à l'époque là le plan c'était 20 millions c'était nourrir 20 millions d'individus habitant l'île d'Hispaniola. C'est-à-dire que nous pas besoin de faire manger. Non, du tout pas. Il n'y a pas de manger. Et puis, il
yo prend disposition pour ça. Yo gon banque agricole là kay yo cap faire financement, ou ta dit ça pète non, c'est pas vrai. C'est au marché, yo non logique de conquête économique et d'espace. Donc maintenant le fait que canal ça vient fait là, gon paquet paysan cap traverser frontière tous les matins pour aller travailler dans l'agriculture, monsieur perd du bras. Même entendre que les gars mécanisent l'agriculture, on ne sait pas oui. Même aux États-Unis, gon bonne partie ça mais vous faites. Pas faut que les hommes les bras vous faites. Donc monsieur pense la perd du bras. On mettant des monsieur la voie tourner toute journée. Non, même pas j'en voie paysan retourner non. Non, il en a besoin. Monsieur besoin force courage. Il a besoin force courage. Monsieur voie mon cap travail dans tourisme, qui prend travail dominicain, ça me dit des travaux. Et prestigieux, haïtien qui a fait connaître sur la barre. Mais moi qui n'en forme d'esclavage. Non, dis-le pas, non, non, dis-le pas. Il a exploité, non, dis-le pas. Ça, c'est l'intérêt bien compris des Dominicains. Yeah, yeah. Donc, ils ont besoin de ça. Donc, monsieur pensez que, comme le paysan est attaché à la terre, si 22 000 hectares, alors, 12 000 hectares qui sont dans la zone pleine Maribaroua, ils ont arrivé à Rigel et ma bolode, il y a deux captages d'études qui étaient faites autour des années 2017-2018. Pour gagner deux rivières, la rivière La Matri et la rivière Diassa, pour être des micro-barrages sur eux, pour te permettre d'irriguer 5000 hectares supplémentaires. Donc de 3 à 3000 à 8000 hectares, et gagner des agronomes qui disent que à travers des pompes, nous avons fini irriguer l'hectare parce que nous n'avons pas besoin de faire dire sur tout, nous n'avons pas besoin de tout le temps. Donc, monsieur, ouais, projet ça, c'est une menace par rapport au plan dominicain. C'est pas pour cette raison, monsieur. Allez, il fait Conseil national de sécurité. Monsieur déploie les militaires sous zone. Non, non. Donc, son gros enjeu. L'enjeu est économique. Son bail qui est extrêmement important pour monsieur. Donc, maintenant, je dis, monsieur, parce qu'il y a le plan dominicain pour l'île. Il y a le plan dominicain pour l'île. Le plan dominicain pour l'île, c'est nourrir 20 millions d'hommes, 22 millions d'hommes aujourd'hui. Sur l'île. Sur l'île. Et maintenant, au-delà de ça. Mais il y a les 10 millions de touristes qui viennent là, qui font nourrir tout. Donc, ils branchent tout. Agriculture a campé parce que, écoutez, il y a agriculture à prospère, hein. Parce que, il y a mécanisé en bonne partie, il y a bail crédit, etc. Donc, monsieur, ouais. Donc, vous voulez dire que, un paysan qui quittait pleine Maribaroua, qui était fort liberté, qui était toute zone de ça, qui traversait, qui travaille dans le jardin, qui travaille dans la ferme agricole, qui travaille dans planter, automatiquement, tel à Kali Ouze, la tournée! Non, vous connaissez, moi-même, c'est mon adieu, vous connaissez paysans qui attachent la terre pour qu'il y ait la République Dominicaine. C'est parce que nous ne pouvons pas mettre l'eau dans la grille. Non! Et puis, les gens qui ont sauté, maintenant, ils ne peuvent pas vivre là-dedans, comme ils ont payé. Et puis, la République Dominicaine, les gens qui ont payé, ils ont fait des Vénézuéliens venus ou bien Dominicains. Les gens qui ont payé 7000 pesos, c'est 3 à 4000 pesos haïtiens. Hein? Ah oui? Parce que le salaire n'est pas égal. Donc, monsieur, ouais, c'est un gros enjeu économique. Donc, c'est pourquoi je me dis une question, c'est une question de sécurité nationale. C'est ce qui n'est pas dit. Mais monsieur, c'est le nom dit. Mais comme il a fait un pilotage, je dirais, catastrophique du dossier, le pilotage politique de Abinader, monsieur Capel, ça sur le plan électoral. Hein, parce que dans la négociation, il demande de la négociation, monsieur perd une négociation. Bon, avant de commencer, vous dites que, avant d'arriver sous négociation, mais écoutez, pendant que nous avons gardé tout projet, sur un projet qui est important pour Haïti, un projet à dépasser le gouvernement, un projet à mettre dans le projet national. C'est le projet national. Je n'ai jamais vu autant d'engagement et de faire moins de patriotisme et de nationalisme pour les Haïtiens pour un projet comme ça. Donc, je dis, mais projet pour un patasuel là. Là, du patasuel là, c'est une carrière comme ça, puisque un document en circulation. Oui. Car je veux une autorité dominicaine, d'ailleurs, c'est dans la Gazette Haïti Nouvelle la sortie, la Gazette Haïti va nous faire, c'est Edwin Parison qui vient là, qui dit que le gouvernement dominicain a un document qui pratiquement baille l'autorité dominicaine, il y a des raisons. Et maintenant, sur ce document-là, effectivement, le ministère de l'Agriculture m'a dit pour camper le canal là. Bon, c'est ça, et tout à l'heure, on a dit qu'il y a la différence entre technicien et technocrate. Un technicien, son équipe font travail, il n'y a pas besoin de conséquences politiques, il fait là. Mais un technocrate, non seulement il fait travail à la fois, assurer le bien faire du travail sur le plan technique, mais également sur le côté social, le côté politique de l'affaire. Pour moi-même, penser qu'on légèreté, document ça n'a pas de dans la circulation. Et puis, moi-même, autant l'aime tenir parler, il y a des réunions, des bails de France. Mon cher, personne ne va rentrer à papier, personne ne va aller dans la tête. Et s'il sorti, ou quoi, ils ont pas où, mais normalement, la prendre qui fait. Donc maintenant, on pense qu'on dossier comme ça, il n'est pas supposé en circulation. Question de sécurité nationale, il faut prendre un niveau dominicain. Maintenant, on va avoir un document. Mais maintenant, encore une fois, même là, ça n'a pas désarmé nous sur le plan du droit. On regarde d'abord, comment un document arrive, un document comme ça, qui est en pouvoir, un document comme ça, est-ce que son légèreté qui fait arriver, est-ce que son monde qui doit partager la commune, ou bien est-ce que son complot pour bailler Dominicanisme, parce qu'il est dit aussi que, parce qu'il n'y a pas de preuve, est-ce que dans le cadre de combat Dominicani a mené pour que ça n'a pas fait,
Est-ce que vous n'avez pas qu'à acheter de monde pour acheter des documents ça? Bon, là, on est aujourd'hui en question de sécurité nationale, oui, encore une fois. Oui. Il faut savoir, à Azad, la Direction nationale d'intelligence à la République dominicaine, c'est le service de renseignement le plus puissant de la Caraïbe après CIA. Oui, oui, oui. Donc, il y en a tout point l'État haïtien. Il y en a le ministère finance, il y en a tout dans tous les ministères, tout côté. Donc, maintenant, c'est pourquoi que nous, quand on était aux affaires, on était confronté à cette réalité. C'est pour ça que le président a demandé pour faire ANI. ANI. Agence nationale d'intelligence. On est ANI, on est ANI. Non, attendez, on te corrige, tu vois. Mais maintenant, en tant que démocrate, oui, donc on ne faut pas y aller. Besoin. Oui, oui, oui. On veut faire des intelligences. Parce que, ça gagne, soit vous regardez dans le texte, il y a deux bails qui créent là-dedans. Le Conseil national de sécurité et de défense. Mm-hmm. Le Conseil national de sécurité. Jean Abinadel réunit la CAI. Quand M. réunit d'abord, M. réunit dans le Conseil national de sécurité de la planification. Parce que, dossier ça, pour dire, nous-mêmes, nous avons gardé nos concepts de canal. Mais M. Gatal Pilou, M. dit son dossier de sécurité nationale. Pour lui. Donc, nous-mêmes, la CAI, pas, non. Nous avons un texte ça. C'est en 2020 de créer le Conseil national de sécurité et de défense. Et de nous à côté, nous avons conseil, nous avons ANI, Agence nationale d'intelligence. Donc, nous, le gouvernement, vous connaissez, le gouvernement, ça ne va pas intéresser à la question de sécurité. Mesdames et messieurs, Guichard Doré n'a quitté territoire national là pour nous aller dans l'international. Paul Kagame, président Wande, a décidé de poser candidat. Pour le capable briguer yon quatrième mandat, sa peuple Rwandea parwe ensemble avec yon bonje, si tout opposition n'a suivi yon reportage, mesdames et messieurs, qui sorti directement dans France 24. L'annonce est passée inaperçue au Rwanda, puisque les médias locaux n'ont quasiment pas relevé ce discret passage dans l'interview menée par Jeune Afrique du président Paul Kagame, au pouvoir depuis plus de 23 ans. Ce dernier se porte donc candidat à sa propre succession. Et il faut dire qu'à Kigali, bien, ce n'est une surprise pour personne, puisqu'en avril dernier, Kagame avait été réélu à la tête de son parti, le FPR, avec 99% des voix, 99% un score d'ailleurs qu'on retrouve aussi lors de la dernière présidentielle en 2017, le début de son troisième mandat après avoir changé la constitution en 2015 pour pouvoir se représenter et rester à la magistrature. Un changement appliqué suite à un référendum approuvé par les Rwandais à hauteur de 98% cette fois-ci. Alors ce maintien au pouvoir est toujours critiqué par ses opposants, des ONG et par des organisations occidentales. Kagame a d'ailleurs répondu aussi dans les colonnes de Jeune Afrique, je cite « Désolé pour l'Occident, mais ce que ces pays pensent n'est pas notre problème ». Fin de citation. Le chef de l'État devrait se retrouver entre autres face à Franck Habineza du Parti Vert, considéré comme la seule formation d'opposition autoritaire. Voilà, mesdames et messieurs, Paul Kagame se présente pour un quatrième mandat après avoir changé la constitution en 2015 qui est capable de permettre lui reposer candidat encore.